Le restaurant Parmesan et Agurti sont fiers de vous présenter Passion Auto Rétro. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente une marque de voiture créée en 1902 par Henry Martin Leland. Donc, sans perdre un instant, je vous présente une Cadillac 1958 et je vous la fais découvrir avec M. Jacques Villeneuve. En 1957, la ligne complète de Cadillac fut renouvelée en se basant sur deux prototypes présentés au Motorama, la El Camino 1954 et l'Eldorado Brougham 1955. Même si la haute direction de GM appréciait le nouveau modèle, les consommateurs le trouvaient trop court à cause des ailes arrière inclinées vers l'avant. Tout fut corrigé pour 1958. Un facelift avant, comportant des phares doubles et des ailes inclinées vers l'arrière, firent paraître la voiture plus longue. Comme si ce n'était pas assez, une option avec coffre arrière plus long était au catalogue. La Cadillac possédait un raffinement et un luxe qui s'amélioraient d'année en année et une multitude d'options étaient disponibles. Toutefois, la nouveauté fut la suspension pneumatique qui manquait de fiabilité au point que Cadillac l'abandonna en 1961. Monsieur Villeneuve, vous êtes propriétaire d'une Cadillac 58, 60. C'est une œuvre d'art en soi. Vous êtes un maniaque de Cadillac depuis longtemps. Et pourquoi cette marque-là vous attire particulièrement? Bien, comme j'ai déjà expliqué, j'avais un oncle qui avait des Cadillacs quand j'étais jeune. Et quand je le voyais arriver, je me suis dit... Quand je le voyais arriver avec son auto, je me suis toujours dit, un jour, je vais en avoir une. Puis, ben, la maladie oblige, alors j'en ai quelques-unes maintenant, mais dont deux Cadillacs. Votre oncle avait une Cadillac quelle année? Il a commencé en 66 pour finir en 72. Là, il y en a eu plusieurs à peu près à toutes les deux ans. Là. Puis comme jeune garçon, qu'est-ce qui vous attire à ce moment-là sur une Cadillac? C'est la longueur, l'imposition, c'est une voiture imposante, une Cadillac. Effectivement, c'est toujours des voitures avec beaucoup de chrome, c'est des voitures avec beaucoup de richesse. Hein? À l'époque, je me souviens, aujourd'hui, on en voit à tous les coins de rue, mais à l'époque, là, quelqu'un qui se promenait avec une voiture comme ça, c'était vraiment là, quelqu'un de très riche. Là, c'était le médecin ou l'avocat. Mais c'était pas tout le monde qui se promenait avec une Cadillac. Là, alors, ça m'a toujours impressionné, moi, ces voitures-là. Puis au Québec, la Cadillac, bien sûr, partout en Amérique, mais au Québec, c'était une voiture où on se mariait. Exact. On décédait dans une Cadillac Station Wagon. Oui, exact. Si on avait du succès dans la vie, on avait une Cadillac, c'était la sommité. Effectivement, parce que c'était même, disons que l'entrepreneur en électricité ou l'entrepreneur s'achetait pas une Cadillac parce qu'il était mal vu de ses clients à cause que c'était trop de prestige. Alors, celui-là, il achetait une Oldsmobile, une Buick, mais il n'achetait pas une Cadillac. T'sais, quand tu arrivais sur le perron de l'église, on va dire, là, avec une Cadillac, là, oh, c'était le monsieur de la paroisse là, qui avait très, très bien réussi. Là, puis avec la religion catholique à l'époque, si t'as pas bien vu de faire de l'argent, donc de démontrer sa richesse. Exactement. Et de là que les gens, à part ceux qui vraiment réussissaient bien. Exactement. Se promenaient fièrement avec une Cadillac. Absolument, c'est ça. Mais avant d'avoir cette voiture-là, vous avez eu d'autres voitures. Vous êtes un collectionneur aguerri depuis plusieurs années. Vous avez une stratégie d'achat qui est différente. Il y en a qui collectionnent la même marque, il y en a qui collectionnent les voitures ultra-sportives. Vous avez une autre philosophie de collection. Bon, c'est-à-dire que mon problème, c'est que je les aimerais toutes. Peu importe la marque, peu importe l'année, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Alors, j'ai essayé d'en avoir dans chaque décennie, disons. Alors, ma plus vieille est une Chevrolet 27
qui est avec des roues de bois. Là, on est vraiment dans le début de l'automobile. Donc, on est parti de la calèche avec chevaux, on a mis un moteur en avant de tout. Exactement. Ça, c'est le début de l'industrie. Exactement. T'sais. Après ça, ben, ma conjointe a une Chrysler Windsor 48. Et puis, là, j'ai dans les années 50, ben, j'ai une 58. Après ça, j'ai une Cadillac 64 et une Pontiac Parisienne 65 décapotable. Donc, vous avez tous les feelings de toutes les époques en conduite. Oui, exactement. C'est pour faire différent. Chacun m'apporte un plaisir particulier. C'est sûr que si on veut aller faire une grande balade, on ne prend pas la Chevrolet 27, là, c'est pas... Mais surtout pas dans Charlevoix. Oui, non, c'est ça. Exactement, pas dans les côtes puis tout ça. T'sais. Ça fait bien pour aller prendre une crème glacée ou aller faire une petite balade dans le Vieux-Québec ou quelque chose. Mais par contre, quand on va aller plus loin, ben, on prend une voiture plus confortable avec l'air climatisé. Et puis ça, c'est le genre de voiture qui va très bien sur la grande route. Mais par contre, moi, je ne suis pas un amateur d'autoroute. Je suis toujours un amateur de petits chemins, où est-ce qu'on voit des arbres, où est-ce qu'on voit de l'eau, où est-ce qu'on voit... Mais c'est plaisant de ralentir le temps dans ces voitures-là. Ça fait partie du plaisir. La musique, exactement, un peu d'époque. Exactement. Le temps, la vitesse, tout se ralentit. Donc, on prend des petits chemins de campagne. Exactement. Moi, prendre l'autoroute, ça ne m'intéresse pas avec des voitures comme ça. On fait ça pour relaxer. La question qui tue, oui? C'est laquelle votre préférée? C'est laquelle me préfère. Je vous dirais que c'est celle-là parce que c'est la dernière que j'ai achetée. Et puis c'est un modèle qui, ça fait longtemps qu'elle me fait rêver, là, disons. Quand j'ai acheté mon autre Cadillac, qui, ça fait quand même 15 ans que je l'ai, c'était un modèle comme ça que j'aurais aimé avoir. Mais c'était à des prix exorbitants, donc j'ai acheté l'autre parce que c'était plus dans mes moyens. Donc, à un moment donné, je me suis résolu à ne pas en avoir, mais l'année passée, l'année dernière, à cette période, j'ai commencé à prendre les petites annonces pour aller voir. Tu sais, je me tiens toujours au courant de ce qui se passe. Puis là, j'ai commencé dans la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, le Manitoba. Et quand je suis arrivé en Saskatchewan, parce que je l'ai déniché en Saskatchewan... Mais je vous arrête là. Oui. On continue l'histoire un petit peu plus tard. D'accord. Cette semaine à Passion Auto Rétro, on parle de différentiel, d'huile à différentiel et... On va s'adresser à un expert, Marc d'Hypertech. Hey, salut Eric, ça va? Ça va bien, toi? Super. Un différentiel pièce importante qui permet à l'énergie du moteur qui passe par la transmission d'aller aux roues. Donc, que ça soit bien entretenu, bien lubrifié. Alors, quel genre de traitement qu'il faut faire pour avoir un différentiel en santé? Bien sûr, ça dépend des performances également. Exactement. Alors, premièrement, il faut dire qu'on a deux types de différentiels. On a le différentiel qu'on pourrait appeler standard et les différentiels autobloquants. Et les différentiels standards, ça se retrouve plus, disons, sur les véhicules classiques ou même les véhicules, je dirais, qui ont de moindre performance. Okay. À mesure qu'on commence à tomber dans le muscle car ou dans l'auto de performance en général, alors il y a un différentiel autobloquant. On peut voir un bel exemple ici, là, juste à côté de nous autres. Oui. Des beaux gros pneus, un différentiel autobloquant, une belle suspension. C'est la clé pour mettre la puissance, pour la transmettre sur l'asphalte, procurer l'adhérence et faire en sorte qu'on soit capable d'avoir des performances les plus efficaces possibles. Parlons un peu d'huile pour que ces différentiels-là puissent absorber toute l'énergie. Parce que j'imagine qu'on parle d'usure, on parle de chaleur et tout ça. Oui, on parle d'usure, de chaleur. Évidemment, c'est une pièce qui est très sollicitée, surtout quand on parle de performance, évidemment. Puis on a différents types d'huile. Alors, on partira toujours de les huiles minérales, semi-synthétiques, synthétiques, complètement synthétiques. Mais non seulement ça, des huiles qui rencontrent des normes différentes puis qui sont faites pour des différentiels autobloquants ou non. Ou non. Alors, vous savez, dans les huiles, il y a toujours la notion qu'on a parlé à plusieurs reprises dans l'émission, ou la notion des grades, la notion de minéral... semi-synthétique, synthétique. Oui. Mais là, on ajoute quelque chose, c'est qu'il y a un additif spécifique pour les différentiels autobloquants. Alors, ici, on a deux huiles qui sont pour les différentiels autobloquants.
Cette huile-là, qui est une nouveauté chez nous, 80-90, Mineral Heavy Duty Limited Slip. Et la 75-140, Limited Slip encore, LS. Okay. Alors, la nomenclature LS vous indique que c'est pour un différentiel autobloquant. Ça, ça peut faire dans un différentiel ordinaire, okay. Mais pas le contraire. Si on veut utiliser une huile standard dans un différentiel autobloquant, ça prend ça ici, okay. Faut ajouter le LST. Okay. Alors, on ajoute l'additif dans l'huile et ça règle le trouble. Parfait. Donc, avec ce genre d'huile-là, on s'assure que le différentiel va être vraiment là pour absorber l'énergie sans usure. Exactement. Sans usure, il y a toujours l'antifriction dans nos produits. Ça prend soin du reste. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Le 3 novembre 1958, le siège permanent de l'UNESCO est inauguré à Paris. Cette institution a pour but de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité à travers l'éducation, la science et la culture grâce à la collaboration entre les nations. Le 27 novembre, c'est le début de la seconde crise de Berlin, la plus dangereuse de la guerre froide. Cet événement, qui s'étendra jusqu'en 1963, veut faire pression sur les différents gouvernements pour déterminer le statut de Berlin, alors divisé en deux, l'Ouest allemande et l'Est, sous contrôle soviétique. C'est lors de cette crise qu'on érigera le mur de Berlin en 1961. Le 31 décembre, Fidel Castro prend le contrôle de Cuba grâce à l'appui des Américains lors de la Révolution cubaine. Le dictateur Batista s'enfuit du pays. Fidel Castro dirigera Cuba pendant près de 50 ans, suivi de son frère Raoul. D'abord nationaliste, l'orientation de leur pouvoir se transforme graduellement en République socialiste à parti unique. Monsieur Villeneuve, on a vu dans le segment précédent un peu l'histoire de notre voiture. On va continuer sur cet élan-là. Oui. Une voiture que vous désirez depuis des années, une voiture de rêve parmi votre collection. De quelle façon, rapidement, vous la trouvez en Saskatchewan? Bien, comme je vous disais, c'est dans les sites de vente, pour ne pas les nommer, en fait, là, mais... C'est là que je l'ai vue. J'ai vu des photos. Là, c'était... Elle était pas donnée, mais elle n'était pas dans des prix exorbitants. Donc là, puis là, elle était en plus en argent canadienne au lieu d'être en argent américaine, parce qu'on feuille souvent des revues américaines, mais les prix sont en américain aussi. Il faut donc ajouter une trentaine de pourcents, peut-être? Oui, 30, puis même 40. 40. Puis... Avec le transport puis tout, tu sais, ça revient presque le double de ce que tu vois comme prix, là, donc... C'est ça qui est la problématique, on a une voiture qui coûte trop cher par rapport à sa valeur réelle. Ben c'est sûr, tu sais. Puis même si elle a la valeur réelle, à un moment donné, il faut toujours bien avoir les moyens de se la payer aussi. Effectivement, il n'y a pas de limite. Ben c'est sûr, tu sais, on a beau à rêver d'avoir une belle voiture comme ça, il reste qu'il faut avoir les moyens de se la payer. Donc là, elle était plus abordable dans mes prix. Et puis là, ben comme j'en ai quand même quelques-unes, puis que ma conjointe me dit souvent, ben là, il faudrait que tu arrêtes d'en acheter parce que tu en as trop. Mais là, celle-là, je lui ai quand même présenté, puis elle dit, oh, c'est vraiment une belle voiture, tu sais. Donc là, elles m'ont insisté à avoir des informations un peu plus. Vous êtes chanceux, vous? Oui, bien, c'est ça. Alors, moi, mon problème, c'est surtout la langue. Parce qu'évidemment, en Saskatchewan, ils parlent en anglais, puis moi, je parle en français, je parle pas en anglais. Juste comme par hasard, un soir, un de mes copains m'appelle, mais lui, c'est un Anglais qui parle très bien français parce qu'il a été élevé à Drummondville. Alors, j'ai dit, oh, tabarouette, lui, ça ferait un type qui serait capable de jaser avec l'autre à l'autre bout. Alors, je lui explique mon problème, puis ben, il dit, écoute, donne-moi le numéro de téléphone, puis... Alors, lui, il a appelé, puis là, évidemment, il a parlé plus en détail. Alors, ce qu'on a su de l'histoire, c'est que c'est un monsieur qui a restauré cette voiture-là il y a 30 ans. Et puis, le monsieur était un amateur de Cadillac. Alors, il en a restauré quatre
de différentes années, évidemment. Mais celle-là, il l'a restaurée il y a 30 ans. Et à son décès, bien, il en a donné deux à sa fille et deux à son garçon. OK. Et cette voiture-là appartenait à sa fille. Là, on parlait avec son frère, disons, qui, lui, est un passionné d'automobile, lui aussi. Mais la madame, elle m'a dit quand j'ai été la rencontrer en Saskatchewan, qu'elle n'avait pas un grand intérêt. C'est-à-dire qu'ils ont fait que des parades avec... L'automobile, c'était pas pour elle, simplement. C'était pas pour elle. Ouais. Elle dit, j'aimais mieux m'asseoir en arrière, puis elle dit, me laisser conduire dans les parades, puis tout ça. Elle dit, j'avais pas un grand intérêt. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont mis à vendre. Et puis, je l'ai malheureusement vu. Et puis, j'ai tombé en amour. Et puis, alors là, mon copain a fait qu'on a pris des discussions. Puis là, ben moi, je voulais savoir un peu si elle était en bon état. Ça, elle semblait en bon état, mais des photos, c'est toujours beau. Oui. Alors, j'ai demandé de me donner des photos plus explicites un peu. Alors là, je voyais qu'elle était à mon goût. Alors là, on s'est entendu sur un prix, puis on a décidé de monter. Puis mon copain a décidé de monter avec moi pour venir la chercher. Alors là... Tu sais, là, j'avais le type qui pouvait parler à l'autre bout, tu sais. Mon problème, c'est ça, c'est qu'on connaît bien quelques mots, mais je suis pas capable d'entretenir une conversation en anglais, tu sais. Puis de ramener la voiture, ça a été problématique ou il n'y a pas eu d'incident? Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai un motorisé, puis j'ai une remorque pour les transports de mes voitures. Donc, j'ai mis la remorque en arrière du motorisé, puis on a monté là. Parce que c'est quand même 7400 km aller-retour d'aller chercher cette voiture-là. On a été parti une dizaine de jours. Fait que c'est devenu un voyage en même temps. Bon, oui, effectivement. C'est un voyage que ma conjointe n'a pas pu m'accompagner parce qu'elle travaillait. Puis j'ai fait ça tout seul avec mon copain. Alors j'ai traversé le Canada sans elle, mais je lui ai promis qu'un jour, on la retraverserait ensemble. En Cadillac. Peut-être en Cadillac, oui. Mario, cette semaine, on parle de lignage de rue, un sujet qui, encore une fois, a l'air très léger, mais il y a toute une technologie qui a été développée dans le temps pour réussir à faire des lignes de rue droites et conformes. Exactement, et surtout sécuritaires. Oui. Donc, encore là, tout part d'automobile. Hein? Alors, on a dû créer et inventer des systèmes pour protéger les automobilistes, bien sûr. On recule en 1911. Alors, M. Edward Hines a eu une idée aussi banale que je vais vous conter. Il suivait un camion de lait qui perdait son chargement. Non. Il laissait fuir une trace de lait de blanche. Ça y a donné l'idée. L'idée est partie tout simplement de là. OK. C'est assez... probablement qu'il y avait des croisements assez serrés, puis c'est là qu'en voyant ça, ça allumait une lumière. Oui, parce qu'on a tout de suite après vu que ça aidait énormément les gens à se guider dans le chemin, si bien qu'en 1917, il y avait déjà trois États, le Michigan, l'Oregon et la Californie, qui ont adopté un peu cette politique de ligner les rues. Mais si on raconte un peu l'histoire, parce qu'il y a eu un dilemme entre le jaune et le blanc aussi. Peter Rexford, qui était shérif à ce moment-là, lui, en Oregon, a décidé de parler à la ville, on pourrait peindre une ligne, avoir du budget. Ça a été refusé. Il a décidé de le faire lui-même. Au pinceau, la route du village. Pas tous les chemins, là. La route du village, au pinceau, il a fait une ligne jaune au centre. Un homme courageux. Et oui, et puis on a vu tout de suite qu'il y avait quand même eu un changement de comportement au niveau des véhicules. En 1917, il y avait eu énormément d'accidents frontaux en Californie, entre autres. Et à ce moment-là, là-bas, la docteure Joan McCarroll a décidé, elle aussi, de proposer à la ville de peindre une ligne au centre. Ça a été refusé également. Elle aussi, elle a décidé d'aller aux endroits où il y avait eu des accidents assez violents et de peindre une ligne blanche au centre, même seulement des pointillés, comme on voit aussi quand on fait les travaux routiers, là, pour se retrouver un peu. Et ça a été quand même très bien reçu, si bien elle qu'en 2002, si vous circulez aux États-Unis, l'Interstate numéro 10, il y a un bout d'autoroute qui est nommé en son nom, au nom de McCarroll Memorial Freeway, c'est peu dire. 1954, 47 sur 48 États américains adoptent le blanc comme couleur officielle. Okay. Et le jaune continue encore en Oregon. L'Oregon a toujours été un petit peu là, le mouton noir dans l'histoire, si bien qu'en 1958, le gouvernement a statué que le blanc deviendra la couleur officielle des autoroutes et le jaune sera la couleur officielle pour les voies à voies divisées, là, comme quand on rencontre. Okay. Alors, ceci, et comme anecdote, tantôt tu parlais pour rendre les couleurs un peu plus visibles. Oui.
Au jaune, on ajoutait à l'époque du chromate de plomb dans la peinture, ce qui est hautement toxique. Et encore aujourd'hui, certains travailleurs de la route doivent faire attention à certains endroits lorsqu'ils vont défaire la chaussée. À ce point-là. À ce point-là. Donc, encore là, il y a une belle évolution à ce niveau-là. Puis c'est intéressant de voir toute la machinerie qui a évolué pour réussir à tracer les fameuses lignes. On repart vraiment dans l'histoire d'un véhicule primaire. On a évolué jusqu'à aujourd'hui. Eh oui, effectivement. Merci, Mario. Merci. Ce segment vous a été présenté par V8 Passion et les belles autos d'hier. En 1958, si un acheteur voulait la voiture la plus longue, il achetait une Lincoln. S'il voulait une meilleure tenue de route, il achetait une Imperial. Mais s'il voulait l'économie d'essence, le silence de roulement et la meilleure valeur, il achetait une Cadillac. Le moteur disponible était un V8 de 365 pouces cubes développant 310 chevaux. Une option de trois carburateurs double corps délivrait 335 chevaux. La Cadillac était livrable en trois séries. Série 62, avec des coupés de ville, sedans de ville et décapotables, Eldorado Séville Hardtop et Eldorado Biarritz décapotables. Série 60 avec la Fleetwood et série 75 pour les limousines 9 passagers. Les prix variaient de 4 784 $ à 8 675 $. Monsieur Villeneuve, dans le volet précédent, on a découvert un peu la voiture et son histoire. J'aimerais qu'on parle un peu du design de la Cadillac. Ces années-là sont inspirées de la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Les ailes sont profilées comme le derrière d'un avion. En avant, les pare-chocs sont profilés comme ça aussi. Donc, c'est des rappels de certains éléments des avions de chasse de la Deuxième Guerre. Oui, c'est ça. Côté design, on dit souvent que c'est les plus belles années de l'histoire de l'automobile, il ne faut pas se le cacher. C'est des années vraiment intéressantes. C'est une voiture qui est extrêmement chromée. Oui, effectivement. Bien, pour revenir à mon monsieur de Saskatchewan, il m'a dit que son père, qui a restauré la voiture il y a 30 ans, ça y avait coûté 25 000 $ pour faire rechromer. Juste le chrome. Juste le chrome. Alors, il parle pas de la peinture, il parle pas de la mécanique, il parle pas de l'intérieur, il parle pas... Quand même, c'est une bonne partie de l'investissement. Ça a dû coûter, effectivement, une fortune. C'est une voiture qui pèse combien? Ça pèse 5200 livres. C'est extrêmement pesant, c'est extrêmement pesant. Sur la route, c'est une voiture qui va se comporter facilement. C'est facile à conduire, c'est plaisant à conduire, malgré que c'est gros, c'est énorme, c'est pesant. Oui, effectivement, c'est gros, c'est pesant, mais c'est... Bon, tout le monde dirait que c'est un gros bateau. Là, tu sais, ouais. C'est très confortable, c'est très agréable de se promener. C'est une suspension qui est souple, mais avec le poids de la voiture, on a un mouvement, un mouvement de bateau. Là. Exactement, exactement. Et puis, c'est ça. C'est des voitures très confortables. Alors, pour faire de la grande route, pour faire des longues balades, c'est des voitures très confortables. Et même sur une petite route de campagne, j'imagine que c'est une voiture qui doit être agréable. Oui. Une petite route sinueuse, mais avec un peu de musique, on a du plaisir. Oui, absolument, absolument. Moi, c'est ma grande passion. Tu sais, ça fait toujours plaisir de se faire dire qu'on a une belle voiture, mais moi, c'est de tourner la clé, d'aller faire une balade. Là. Ça, c'est ce qui me plaît le plus, là. La voiture est, bien sûr, tout équipée. C'est une voiture qui ne manque aucune option. Non, tout est là. Oui, c'est sûr. Bien, j'imagine que j'ai vu qu'il y en a qui ont des barrures de porte électriques. Celle-là, elle ne l'est pas. Mais quand même, l'air climatisé, les vitres électriques. Tout ce qu'on voit dans une voiture moderne, cette voiture-là, là. Oui, exactement. Et juste pour dire, même le système de haute-basse automatisé, ça existait sur cette voiture-là. C'est un petit photoradar, tout simplement, qui est dans
le pare-brise qui permet de détecter ça et d'ajuster. Exactement. À cette époque-là, il n'y en devait pas en avoir dans toutes les voitures, mais ça existe bien, évidemment dans le Cadillac, mais ça existe dans d'autres marques aussi. Là. C'est Buick qui avait ça. Ça, c'est une option OEM à ce moment-là. Oui, exact. En terminant, on va terminer sur le logo de Cadillac, qui est un logo d'une famille, on va le dire. Ouais. C'est un monsieur qui s'appelle Antoine Lamotte de Cadillac. Mm-hmm. C'est une personne qui s'est mariée à Québec dans les années 1600. Et le logo de Cadillac, c'est les armoiries de la famille Antoine Lamotte de Cadillac. Fait qu'il y a bien des gens qui ne savent pas, mais c'est une personne qui s'est mariée à Québec et qui a fondé la ville de Détroit par la suite. Ah ben ouais, tu vois, tu m'en apprends, toi. On peut tous apprendre des choses ensemble. Absolument, on apprend tous les jours. Monsieur Villeneuve, je vous dis merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire, c'est super bon. Ben, merci, Éric, de t'informer de nos passions à nous ici, là, c'est bien agréable. Merci beaucoup. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty Assurance de voitures classiques. C'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. V8 Passion est fier de vous avoir présenté Passion Auto Rétro.